bourgeoisie, bourgeois en Haïti qui dans tout dossier, qui ça qui caché derrière cousin ça. Qui côté nous sorti, nous rivé là avec ces gros dossiers, nous pourrons le débattre jeudi à Wilkie Toussaint is back. Qui gens communauté a espéré n'a tchembé. M'a quoi dans pays d'Haïti qui un jour qui passait ou pas de parler de bourgeois, il a parlé de business, l'argent, influence, mais comme souvle ou pas trop information sur ça, sur qui gens bourgeoisie ça monter. Eh bien, c'est ça nous pourrons le jeudi à là. Première information pour gagner, pour comprendre vidéo ça bien, c'est qui ça qui bourgeois même. Mot bourgeois sorti non mot latin. Bourgeoisie qui veut dire moun kap viv nan bou. Boula lui-même c'est un petit village qui trouve dans la région côté toute activité commerciale réunie là, c'est leurs jeunes commerçants yo, artisans yo, l'église là. Et c'est mot ça haïtien qu'on utilise, les dit comme ça, les pour aller en bouc. Thème bou ça, yo te qu'on utilise en pile dans année 1500 yo en Europe. Mais avant moun sa qui était bourgeois qui t'a vivre dans bou yo, pas moun qui était important vrai dans société. C'est après en pile là-dedans on va commencer faire gros commerce, surtout commerce esclave, et là yo va commencer gain importance. Et pas oublier en Haïti tout est gain esclavage. Qui moun qui était mettre esclave yo, c'était colon blanc français et automatiquement moun sa te vinn tout bourgeois. C'est eux qui te gagné terre, c'est eux qui te gagné esclave, c'est eux qui t'a fait commerce. Et en Haïti, sous temps la colonie, il était parti comme ça. En l'air net, ou jouen grand blanc colon yo, qui te met esclave, met terre, qui c'est bourgeois yo. Et en bas net, ou jouen esclave yo. Et dans mitan deux groupes ça, ou jouen un groupe qui te relé affranchi, soit qui te acheté liberté yo, ou bien qui te petit blanc ak esclave noir. C'est moun sa yo, yo relé mulat la. Nous aujourd'hui on a dit bourgeoisie c'est un petit groupe et bien famille il était toujours un petit groupe et il pas jamais gien là-dedans petit nèg tête graine ça nous dit qu'il sorti en Afrique là nous pour le comprendre dans l'année 1790 sous terre Haïti tu gien environ 500 000 monde qui t'a vivre là-dedans là-dedans tu gien 87% monde qui était esclave 5% affranchi et puis 8% blanc et c'est 8% blanc ça qui était bourgeois c'est eux qui t'a fait commerce sucre café indigo et qui était plein esclave. Bon comme nous on est, il y a un moment qui devine arriver, esclave vient dire c'est trop à temps, la révolution faite, chaîne esclavage cassé. Yo mettez gros blanc de yo. Nous te songe, slogan couper tête boule kaila. Indépendance fin prend toute bagarre écrasé net. Ça te rete c'était terre et pas gain groupe bourgeois qui était fait avec blanc encore. Là vient rete deux groupes, mulatio ak esclavio qui te vinn libre avec quelques grain blanc tant coup famille Vob. Et entre deux groupes ça yo, mulatio avec esclaves qui viennent libio, viennent une grosse bataille pour terre et ces batailles ça tout qui va mener complot pour assassiner des Salines. Et pour classe bourgeois vienne recréer dans période ça encore, cause ça va commencer avec Alexandre Pétion. Dans l'époque ça m'a dit nous là commerce dans pays, c'était toujours allemand avec français qui fait belle dans la question exporter et puis importer. Et c'est dans période ça tout Pétion pour la belle avantage dans quelques groupes milat qui pour permettre de gagner commerce dans main yo. Et là, mulatio pa gen kek pa en avant sous noir yo. Et comme monsieur mulatio vin nan commerce, yo gen ten nan men yo, yo kon li bien rapide yo vin groupe moun ki pi important nan société a. Et là, classe bourgeois commencé à établir encore. Classe bourgeoise qui vin pote non bourgeois traditionnel de mulat qui était là depuis avant indépendance là. Et c'est là dedans nous pas une famille Vob. Premier Vob qui était débarqué dans pays, c'était français François Xavier Vob en 1764. C'est grand-grand-parent Philippe Dimitri Vob, c'était un commerçant. Et jodi a famille sa gen nan men yo compagnie Vob fils qui nan fait route sojener qui nan vend courant bon gen moun ki zye blackout bon n'ap éclairci ça après et puis yo gen sojet tout qui était dans question vend gros équipement dans même famille bourgeoisie mulat qui était là depuis avant indépendance ça ou jeune famille Buto grand-grand-parent yo français Nicolas Buto té débarqué ici dans année 1680 yo et jodi a famille sa possède Caribe Convention Center c'est Vimax qui nan question pétrole et puis une gen Bertrand Buto qui c'est membre conseil administratif Unibank. Ou jeune tout famille bossan, famille sa qui possède aujourd'hui à Germa qui n'a question gros bateau pour beauté marchandise dans le pays. Et puis Edouard Bossan, c'est vice-président conseil administration Unibank. Toujours dans la famille Mulat qui compose bourgeoisie a quitté là depuis avant 1804 ou jeune famille Chauvette. Monsieur Sao, français qui est arrivé ici en Haïti dans l'année 1600 avec Chauvette Guillaume, grand maître esclave devant l'éternel. Et aujourd'hui, descendant nous connaît, c'est Max Chauvette, Pierre Chauvette qui c'est maître journal Le Nouvelliste. Et Max Chauvette tout, c'est membre conseil administration Unibank. Là, c'est pour monsieur Damulat qui était parent qui était là depuis avant indépendance. Kounya là, on fait un petit coup de pied dans mitan année 1800 pour arriver 1900. Nous devons qu'on est dans période ça en Europe, gen ti bouleverse, gen pas si par là. Et gen quelques messieurs dames allemands, italiens qui va dire tête à la jambe là et là qui te voyer en Amérique précisément en Haïti.
comme monsieur dame mulatio français ou te plus dans question agriculture vendre café bois campèche et bien monsieur dame italien allemand ou parle la ricor dans l'autre produit pain souliers bijoux parfum toile parce que constitution pays a été interdit étranger gainter en Haïti donc là vous êtes tout pas venir fourer corps dans question agriculture pour groupe ça nous pas jeune famille Meuse avec premier Meuse là qui c'est Edouard Meuse qui était travail sur un bateau qui dit qu'on porter marchandises en Haïti sorti États-Unis et famille prend le gars dans faire commerce dans faire petite qui pourrait faire nous joindre Hugo Meuse Fritz Meuse Bernard Meuse Grégory Meuse famille ça a commencé dans faire sandales en pit chapeau passer dans faire sandales cuvette en caoutchouc et jodi a il a géré West Indies groupe ça qui gagne la donne Asco il a acheté dans mes américains je dis à qui gagne chaud des causes la donne tout il a gagne Sonatrach qui possède des gros bateaux pour boter marchandises il a gagne terminal Vareux qui relait TV ça tout qui c'est port qui gère causer gaz pour pays d'Haïti il a gagne Wineco qui possède des gros citernes pour stocker gaz yo les vini il a gagne Wingaz qui gère question gaz pour pas nous servir avec l'un pays à chaque jour et il a dans l'autre domaine tout dans question l'hôpital et la trier l'autre famille nous pas jeune qui gagne rapport à causer Almaï ça c'est famille Berman avec Théodore Berman qui était débarqué ici en Haïti depuis l'année 1850 yo. Et jodi a ou jeune Eric Berman Franz Berman, Calfred Berman, groupe Berman ça a géré Berman Motors qui n'a causé 20 machines. Et je nomme monsieur Sardou dans Caribbean Flavor and Fragrance qui c'est compagnie qui a poussé l'huile essentielle dans tout le monde là pour faire parfum. Dans même cause famille descendant allemand ça nous pas une famille Brown avec Gustav Brown, Arnold Brown qui était débarqué dans pays dans année 20 qui était dans question ranger machine. Et je dis à nous connait famille ça avec Carl Brown qui dans tête groupe Unibank qui c'est gros bac en pays d'Haïti et puis qui c'est un actionnaire moulin d'Haïti ça c'est pour descendre allemand et pour italien et bien c'est avec un groupe cordonnier nous pas une présence dans pays d'Haïti qui pourrait quitter Italie pour question la guerre misère et bien mesdames ça pourrait venir pour l'installer dans bout de pour président là à faire baisser lever après on pourrait prendre poids dans question business nous pas une là dans famille vitiello famille ça qui t'a pas prendre question vendre souliers pour eux et même un proverbe en Haïti qui porte non les monde dit comme ça on pourrait prendre route là sous deux vitiello ça veut dire on pourrait marcher à pied parce que famille ça c'est l'idée qu'on gère question pied moun toujours dans cause d'Italie ça tout par une famille Altieri qui était dans cause Van Pit c'est François Marie Altieri qui était débarqué ici qui possède des gros magasins dans au cap donc là ouais type pour Fatima Jeune là c'est pas un hasard c'est dans famille italien ça li sorti et nous bien tous c'est dans même vague vini italien ça nous pas jeune famille Martino toujours dis à nous on est avec Robert Martino Ronaldo et puis Roberto Martino pour nous sortir la France, l'Italie, l'Allemagne, comme ça tout bas qui sorti Danemark tant cou, famille Madsen qui était débarqué ici tout dans même année ça, petit de Michael Madsen qui va créer premier brasserie dans pays d'Haïti, brasserie nationale Brana en 1973. Ça c'est pour Danemark. Après nous avons monsieur dame Brett qui parle sorti Jamaïque ou Bahamas. C'était Oswald John Brett, premier Brett là qui était débarqué dans pays d'Haïti en 1908. Il a commencé à faire l'argent en vendant café et toile. Il a gagné usine Manteg. Et je dis à la famille Brent, il a gagné la question banque avec BUH. Il a gagné la question compagnie qui vend machine, compagnie haïtienne de moteur qui vend machine Mazda. Il a gagné tout la question transformation avec Caribec qui vend produit Timalicio. C'est capable de connaître. Même République Dominicaine pour aller faire famille dans la bourgeoisie haïtienne. Ah ouais, avec famille Moscoso. C'est dans l'année 1920, Jules Moscoso pour aller sortir en Dominicanie pour la école dans Léogane. Et c'est là, monsieur, pour aller dans la question Guildive, Clérin, Vana Ansor, Caoutchouc. Après ça, pour aller passer dans la banque, pour aller passer dans la question machine. Je dis à nous connaître famille ça avec Soje Bank et puis Automeka qui est dans la question vendre machine. Et là, nous avons une bourgeoisie avec monsieur dame origine française, Allemagne, Italie, à quelqu'un qui sortit dans Caraïbes, là, t'as qu'une famille Moscoso avec Brent. Et je dis à nous, monsieur, ça a un pile pouvoir. Qui ça nous connaît, ça a commencé? C'est avec l'État haïtien qui n'a pas payé employé. Non, c'est nous qui n'a pas payé employé. Pas je dis à nous, oh non, nous faisons ça, nous la donnons longtemps. Eh bien, Guijan, monsieur, dame, ça a un goût bourgeois, ça a fait des commerciaux, il y a des moyens dans mes mains. Et l'État haïtien n'a pas payé, ça a fait qu'on y a, il a prêté l'argent dans mes commerçants à gros taux. Nous pensons que l'État va remettre l'argent, bravo. Et là, l'État va remettre l'argent qu'on a, ça qui va le passer. Il va commencer par M. Damien petit privilège. Et M. Damien tout, il a pris un petit privilège dans le système. Non? Et puis voilà. Pendant que groupe bourgeoisie ça, qui est le bourgeoisie traditionnelle. Pas le vignon l'autre groupe qui va l'ajouter sous lui, qui va le pire mauvais, qui va le pire djougan, c'est messieurs dames qui sortit Moyen-Orient, yo. Yo va le sortir Liban, Syrie, Palestine, Égypte, Israël. Et c'est messieurs dames ça, yo, nous connaissons sous nom Siro, Libanais ou Arabe. Bien, Juif tout, ou quelque.
Et puis ça qui t'est passé. Dans fin année 1800, dans le pays Mounsa, la guerre, misère, yo pas qu'à vivre. Même j'en ouais, nous même qu'on n'a pas qu'à vivre en Haïti. Et bien ça qui passé, yo dit coûte que coûte faut quitter pays ça. N'importe bateau joint, yo monter bateau, pas besoin qu'on coûte bateau rally. Et c'est comme ça bateau pour la guerre en Amérique, tant qu'au Brésil et puis Haïti. Faut me dire nous, Mounsa était tellement pauvre, Haïti était qu'on est millier en pile. Yo faut qu'on est en pile là-dedans, c'est machine enragé à chercher couleuvre pour boucaner pour manger. Ça fait, yo était même ba ou non ça arabe mangeait couleuvre. Et pour un pile là-dedans, c'est dans la rue était qu'on dormait. Baba m'a dit, bagarre là pas de bon pour arabe. Même yo là, y a débat dans petit commerce sous bord de mer pour instant là. Parce qu'ils sont encore arabe pendant toute année 1900 yo. Puis après le monter, grâce la pral descend pour Aram, François Duvalier pral prend pouvoir. Et c'est François Duvalier qui pral gérer monsieur Damsao parce qu'il pral servir avec comme un zam politique pour le goumer contre bourgeoisie traditionnelle là. Et la arabe ça aussi au Libanais ça pral commencer jouer rôle diplomate, il pral commencer jouer dans pile avantage pour créer gros business avec François Duvalier. Si au Libanais pas juste un monde qui gon gros boîte dans dol. Non, il vient un professionnel, il vient un banquier, il vient un industriel. C'est groupe Mounsa qui parti comme ça. Bidjo qui sorti Syrie, qui possède GB Group, qui gagne la donne à Syrie d'Haïti, qui vient faire USA, qui n'a question faire l'huile pour la phyto, GB Energy, qui possède des pompes Chevron Texaco, qui n'a question vendre gaz dans plusieurs pays, dans Caraïbes là. Famidib qui possède des produits bon goût et qui n'a question machine d'eau avec Apollo Motors qui vend machine BMW. Famille Akra qui n'a importation l'huile du riz. Tol, PVC, Boulos qui possède Delimat, Nissan, Autoplaza qui n'a El Rancho, famille Abdallah avec Sheriff Abdallah qui n'a question lui hélicoptère, qui n'a question assurance à Elsa, qui n'a question El Rancho, famille Dja, famille Zouraï qui n'a question brasserie La Couronne, Safari Motors qui vend machine, n'a question Kasami. Donc, famille yo en pile. Pour nous donner une idée, dans la bourgeoisie, ça a obligé plus passer 200 familles qui possèdent plus passer 500 entreprises dans le pays. Et la grande remarque nous a fait, pas de famille qui gagne origine Afrique, côté 95% haïtien sorti. Famille haïtienne relée, tinek noué, tête grine là. Yo même yo plus dans l'administration publique là, qui donc dans l'État. Eh bien, la pays a vu bâti comme ça. Un groupe qui forme bourgeoisie en Haïti, et puis secteur privé des affaires là tout. Qui gen la donne monsieur Mulatio, Siwo Libanais, monsieur Jussio, tout moun sa yo. Et c'est dans groupe ça ou jwenn corrupteur. C'est moun qui possède l'argent, cap acheter moun, cap utiliser moun. Et en face là, ou jwenn groupe moun ou les ti nèg tête grain là, qui directeur presque toute boîte l'état yo. Et c'est dans groupe ça ou jwenn corrompu yo. Ça cap chercher bel avantage pour gen bel ti kay pour occuper 20 millions qui à l'étranger. Bon citoyen ça dit nous, qui j'en présenter dans parlement. Secteur privé des affaires là madame bonhomme. Li occupé totalement parlement haïtien aujourd'hui, li contrôlé totalement. Et c'est très clair que gagner l'argent sous bas chercher dans circuit public là pas yo, parce que ça vous fait bon mouvement Saint-Siron qui fait yo dit écoutez ou même ou gagne droit nan men ou dégagez ou gagne 50 députés pour gérer. Ou même qui sont dans mon, ou gen DGI, ou bien ONA, ou même ou ap gérer 40, ou ap gérer 20. Eh bien, l'on mette deux groupes ça ensemble, li juste ba ou, Haïti, nous tout connaît jodi à la, personne pas ka vivre là dans la. Une vidéo à l'ongue, désolé, la oblige camper là, mais espère nous te comprendre vraiment si histoire ça. Donc, n'a pas croisé une autre fois pour une plus belle vidéo. Peace!